On est chacun le centre de son propre univers. Il n'existe aucune méthode scientifique qui peut démontrer qu'en fait, tout ce que je vois, vous, les murs, tout, n'est pas simplement le produit de mon imagination. Ça ne peut pas être prouvé. De la même manière qu'on ne peut pas prouver que l'univers existait avant ma naissance, comme on ne peut pas prouver que l'univers persistera après ma mort. On est tous le centre de son propre univers. Mais face à l'immensité de l'espace, on peut se poser la question de « mais qu'est-ce qu'on est dans cet univers ?» Un grain de sable, rien quoi, rien. Et pour ceux qui seraient tentés de penser qu'on est quelque part la brique élémentaire de cet univers, il suffit de changer de direction et au lieu de regarder l'immensité de l'espace, de se tourner vers l'infiniment petit. Se retrouver à mi-chemin entre ces deux pôles d'incompréhension totale, avec vraiment de chaque côté tout ce qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, ça me fait un vertige du haut et un vertige du bas dingue, mais à se hérisser le moindre des poils de son corps. Dès qu'on voit le terme cosmos ou même celui de corps, il y a de quoi s'inquiéter un petit peu. Après tout, c'est sous ces termes mystico-métaphysiques que se vend la pire littérature spirituelle dont raffole Mamie Hippie. Pourtant, à l'origine, le terme cosmos est éminemment philosophique, puisqu'il interroge puissamment notre rapport à l'espace et au temps. Plusieurs millénaires avant notre ère, les regards de nos ancêtres se tournaient déjà vers les étoiles. Très tôt, ils ont construit des observatoires pour mieux comprendre et appréhender cette immensité qu'ils ont parfois choisi d'expliquer par la mythologie, afin de ne pas devoir reconnaître que cette réalité nous dépasse. Au fur et à mesure, ils en ont compris les mécanismes et les subtilités, et cet enjeu majeur a joué sur notre perception du monde. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'Église a longtemps pourchassé ceux qui remettaient en cause la centralité de la Terre dans l'univers, car reconnaître que l'homme n'est pas au cœur de toute chose, c'est remettre en question sa suprématie sur ce qui l'entoure. La science a heureusement, et malgré tout, poursuivi dans cette direction, que ce soit par l'exploration des limites infinies de l'univers ou en formulant la théorie de l'évolution, qui fait de tous les animaux nos cousins éloignés et de l'humanité une espèce parmi tant d'autres. Il faut dire que cette immensité ne peut que prêter à réfléchir. Nous ressentons tous le besoin de l'expliquer. La science s'est logiquement d'abord échinée à comprendre ce qui avait un impact direct sur la vie des individus. Que ce soit Archimède lorsqu'il jouait dans son bain, Galilée rêvant sous les étoiles, ou Newton lors de ses siestes sous les pommiers, c'est de l'observation de phénomènes physiques palpables que découlait la découverte scientifique. Il s'agissait, avant tout, de comprendre pourquoi un caillou coulait à pic, tandis qu'un bateau plus lourd pouvait traverser la Méditerranée, ou pourquoi un nuage qui pèse plusieurs tonnes vole pourtant paisiblement. À partir de ces observations, des générations de penseurs ont, peu à peu, formulé et vérifié des théories sur la gravité, la dynamique des fluides, les pressions et températures. Ils ont trouvé des applications pratiques à ces découvertes qui nous sont enseignées aujourd'hui avec plus ou moins d'efficacité. Seulement, chaque réponse que la science nous apporte amène de nouvelles questions, et c'est ainsi qu'en partant de la chute des pommes, on finit par s'interroger sur la relativité. Les questions les plus complexes ne se sont en effet pas faites attendre. Alors que nous cherchions à comprendre d'où venaient ces lumières suspendues sur le ciel qui nous surplombait, nous avons fini par comprendre leur nature, et surtout qu'il en existait une infinité. Nous avons pris conscience que notre planète, loin d'être le centre du monde, n'était qu'un microscopique caillou dans un univers qui, non content d'être infini, est en constante expansion. Chaque découverte scientifique
remettant en question les explications simples que l'humanité avait développées, de nouvelles théories ont été rendues nécessaires pour répondre à notre insatiable besoin de comprendre. Hypothèses sur le Big Bang et réflexions sur son pendant, l'effrayante fin de l'univers, théories de la relativité ou encore celle des cordes, toutes accroissent notre compréhension de ce qui nous entoure autant qu'elles ouvrent les portes à de nouvelles interrogations de plus en plus ardues. Tout comme notre ancêtre préhistorique était terrorisé par la tombée inexpliquée de la foudre, nous devons désormais faire face aux angoisses abstraites que nous provoque l'idée d'un univers en plusieurs dimensions. Au XVIIe siècle, la révolution copernicienne bouscule totalement les conceptions scientifiques en faisant passer l'humanité de la croyance en un monde clos et bien délimité à l'idée que l'univers est infini. Face à ce profond changement de pensée, les philosophes se doivent de réfléchir d'une nouvelle façon au monde qui les entoure. Ce bouleversement ne va pas sans questionnement intérieur. Blaise Pascal, dont on a parlé dans l'épisode sur le sens de la vie, a été l'un des grands esprits de cette époque et fut particulièrement déstabilisé par ses réflexions. Il déclarait ainsi être effrayé par le silence éternel de ces espaces infinis. Cet infini ne se retrouve d'ailleurs pas que dans l'infiniment grand dont nous venons de parler, mais aussi dans le monde tout aussi stupéfiant de l'infiniment petit, dont on prend alors à peine conscience. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec l'émergence de la physique quantique, qu'est découvert un tout nouvel univers d'atomes et de particules dont le fonctionnement tranche avec tout ce que nous connaissons. Finalement, la seule chose qui semble à l'échelle de ces deux infinis, c'est peut-être le frisson d'angoisse qu'il nous procure. Ces angoisses qui nous étreignent nous saisissent certes dans nos cœurs, mais elles se répandent aussi de façon bien plus concrète jusque dans nos corps. Le philosophe Alain préférait ainsi expliquer les frissons de Pascal par le fait qu'il avait avant tout froid près de sa fenêtre ouverte. Ce n'était donc pas tant l'incompréhension face au monde qui l'étreignait, que celle face aux réactions de son propre corps. Le corps est d'ailleurs un formidable exemple de l'infiniment petit, car ce sont d'innombrables entités microscopiques qui agissent de concert pour le faire fonctionner. Pendant que vous regardez cet épisode de Doxa, plusieurs milliers de bactéries occupent chaque centimètre carré de votre peau et pullulent par centaines de millions dans chaque millilitre de votre salive. Ce sont plus de 100 000 milliards de cellules qui se reproduisent continuellement pour composer ce que vous êtes. C'est tout un organisme qui s'active pour vous faire respirer, digérer, sentir et ressentir. Nous connaissons souvent la théorie de toutes ces actions, mais sommes-nous seulement conscients qu'elles se déroulent maintenant, en nous, à chaque instant ? Dans les sociétés dites primitives, il est amusant de noter que la vie et le religieux ne sont pas séparés. Tout ce qui est, tout ce qui se produit, est mystique. D'un simple caillou à la cime des arbres, en passant par le vent qui agite les feuilles, un ruisseau qui s'écoule ou la pluie qui tombe. Toutes ces choses, qui nous paraissent si simples, sont en effet d'une complexité telle, lorsqu'on prend le temps d'y réfléchir, qu'il n'est pas stupide de les considérer comme miraculeuses. Sans aller jusqu'à créer des dieux ou des dogmes, apprendre à s'émerveiller à nouveau de tous ces mécanismes qui font tourner l'univers, le monde et nous-mêmes ne peut être que bénéfique. Redécouvrir la complexité infinie de ce qui nous entoure est alors un moyen de voir à quel point ce qui existe est passionnant et quelle chance nous avons de pouvoir être parmi un tel ensemble. Cependant, si nos actions n'ont pas d'incidence sur l'univers, il en va autrement des mécanismes de notre corps que nous pouvons relativement influencer. Avoir conscience de l'harmonie de notre corps et des merveilles nécessaires à la réalisation de la plus basique des actions, c'est déjà réenchanter notre vie en comprenant cette chose fabuleuse que nous sommes par notre nature seule, au-delà de nos actes et pensées. Dans ses propos sur le bonheur, Alain nous invite à nous confier à la sagesse du corps pour nous sentir mieux.
comme nous l'avons vu dans l'épisode sur l'ego, nous n'avons aucun contrôle sur nos émotions qui apparaissent en nous sans que nous puissions les contenir. Il nous est en revanche possible d'influencer la mécanique même de notre corps afin de les décharger. Ainsi, Alain remarque que le corps ne peut pas être dans deux états à la fois. Si, par exemple, je suis énervé, mon corps va être crispé, ma respiration rapide et mes muscles tendus. En respirant lentement et amplement, en étirant mes muscles et en haussant les épaules, mon corps va alors se détendre naturellement. Être acteur de son corps, ce n'est donc pas chercher à le contrôler, mais prendre en considération ses besoins et ses humeurs. Une bonne hygiène de vie et une observation méditative de nos réactions corporelles deviennent alors les outils d'un esprit et d'un corps sain. Et si finalement, le meilleur moyen d'utiliser nos connaissances et nos observations n'était pas celui de nous enrichir nous-mêmes pour l'ici et le maintenant? Nous sommes plus instruits que toutes les générations qui nous ont précédés, et il ne serait pas incongru de dire que le collégien moyen d'aujourd'hui en sait plus sur l'univers que le plus instruit des philosophes grecs. Pourtant, bien peu de ces collégiens ont la sagesse d'Épicure ou Démocrite. Les connaissances brutes ne sont donc pas suffisantes à une bonne compréhension de ce que nous sommes et de ce qui nous entoure. A l'inverse, les anciens n'ont pas eu besoin de comprendre entièrement la complexité des choses, tant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, pour s'en émerveiller. Les vagues nous fascinent, que l'on soit un enfant sur la plage ou un hydrographe au travail. C'est en parvenant à équilibrer notre goût pour l'observation et la curiosité, et un laisser-aller serein face à l'immensité de ce qui nous entoure, que nous pouvons probablement le plus trouver ce qui nous angoisse tant, c'est-à-dire notre place dans le monde. Qui, en prenant l'air un soir d'été ou un jour de pluie, n'a jamais ressenti cette incroyable sensation de ne faire qu'un avec l'univers, le cosmos, le tout? C'est en tout cas, à partir de cet état de conscience, qu'il nous est possible de mieux jouir de nos corps et de nos êtres, et de nous approcher d'une forme de joie infini. Des atomes aux galaxies. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout un espace d'univers fantastique s'ouvre à notre connaissance et nous interroge sur notre condition. Ces questionnements peuvent alors, au premier abord, se révéler source d'angoisse, et on pourrait presque être tenté de leur préférer l'ignorance. Ce serait pourtant perdre une magnifique source d'émerveillement et de contemplation qui peut nous guider, si nous en faisons bon usage, à être plus en harmonie avec l'ensemble des choses et des êtres qui nous entourent. C'est un peu comme si quelqu'un nous avait enfermés quelque part et nous observait sans nous donner la moindre explication. Mais si vous en mangez, je vous déconseille fortement d'aller voir comment ces restes de viande sont séparés mécaniquement.